Je reviens. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air, c'est pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. Ça prend quelques instants et une adresse courriel et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, la boîte mystère de Dotbox. Dotbox qui est toujours en fait un abonnement pour recevoir des produits de bien-être une fois par mois. J'avais trouvé l'abonnement correct, mais sans plus. Mais bien sûr, je reste toujours sur les listes pour recevoir les différentes promotions. Et cette fois-ci, Dotbox offrait des boîtes mystère à 19,99 $. Alors, j'en ai profité et j'en ai acheté 3 pour regarder qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des dites boîtes. Allons-y tout de suite! L'emballage mentionne « Choisissez le bonheur » et c'est ce qu'on va faire ensemble. On a un petit mot de bienvenue. Merci pour votre achat. Une partie des revenus de votre achat va être donnée à l'organisation Days for Girls, qui distribue des produits d'hygiène féminin réutilisables aux femmes et aux filles autour du globe, ce qui permet dans le fond de leur faire continuer la vie normale durant leur période, c'est-à-dire pas besoin de manquer d'école, pas besoin d'avoir honte et pas besoin de limiter ses activités. Merci d'avoir fait la différence! Et on a aussi le petit bingo du bien-être qui nous a été fourni. Et une autre carte de remerciement, vraiment, ils sont très très contentes qu'on a acheté. Voici nos 3 sacs mystères. On va en prendre un au hasard. Ils ont l'air quand même tous faits différents. Pas très très pesants comme boîte, par contre, fait que je m'attends pas non plus à recevoir un gros bibelot, mettons. Premier sac... rose, vieux rose. En fait, les 3 sacs sont comme vieux rose pêche. Et on a ici un douceur portable électrique. Douceur, dans le fond, qui fait un verre de jus. Petit cyclone portable. Et collé sur le dessus, je sais pas si c'est vraiment volontaire ou non, on a un bracelet qui est rendu là-bas, mais il semblait bien cute et bien brillant. Je vais quand même l'ouvrir, la boîte a de l'air un peu maganée, on va aller voir de quoi ça a l'air. Et voici notre petit juicer portable. Fait que j'assume, tu mets tes jus à l'intérieur, tu branches sur ton port USB et clic-clic, ça te fait du jus. Ça a l'air quand même assez dispendieux comme item. Ici, on a un spray pour l'anxiété. Remède naturel pour promouvoir un état d'esprit positif tous les jours avec de la sauge, de la menthe poivrée et de la menthe verte pour apaiser. C'est vrai, j'avais oublié, elle fait ses propres produits elle aussi. La santé mentale, ça compte. Ça sent super bon, ça sent la menthe. Comme ça ici. Bien rempli quand même les petits sacs de Masquerade. On a un masque en tissu raffermissant, 100% biodégradable. I don't wanna grow up. Je ne veux pas grandir. Raffermit et renouvelle au collagène, à la camomille et au yalang yalang. Toujours pratique. Rendu là, tu te fais une journée détente avec ton jus fraîchement blendé et ton masque avec une ambiance relaxante de menthe. Semble avoir un tote. It's a good day to be happy. C'est une bonne journée pour être de bonne humeur. Excellente affirmation à se répéter. Je l'ai dans le fond en collant aussi à mon bureau. Dernier item pour le premier sac. On a Fall Vibe, une lotion au beurre de karité. Ambiance d'automne. Ça sent la noix de coco, mais non sucrée. Comme si c'était de l'écorce de coco. Super intéressant.
Encore une fois, ça semble être un produit fait par la propriétaire de Dotbox. Fait que c'est ça pour notre première boîte mystère. Le gros item était clairement le blender. Malheureusement, dans le fond, il y a des bijoux qui ont été perdus dans la frénésie du unboxing. On continue avec une deuxième boîte mystère. Il y a une grande bouteille aussi, mais je pense pas que ce soit un deuxième blender à fruits, par contre. En tout cas, j'espère. Déjà que je suis pas certaine qu'est-ce que je vais faire avec un. Ah, on a par contre un retour. Notre petit spray pour l'anxiété est de retour. Peut-être qu'il l'incluait dans chacun des sacs. On va voir avec le troisième sac. Des chaussettes qui envoient un message clair. Please go away. S'il vous plaît, partez. Des fois, faut être clair dans la vie. Toujours pratique d'avoir des chaussettes. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un petit vaporisateur. On peut mettre de l'eau à l'intérieur pour avoir un petit vaporisateur d'eau portatif. Et il semble avoir des vibrations ultrasoniques aussi qui seraient bonnes pour la peau. Et voici notre petit vaporisateur avec son petit contenant de 30 ml qui peut être rempli d'eau. Je me demande si on peut avoir un mélange un peu comme la mist ici dedans. Un deuxième petit bracelet que je vais garder dans son emballage de peur de l'envoyer flyer. Mais non, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Petit bracelet dans le fond ajustable avec une décoration en forme de goutte rose brillante. Très très cute. Une autre bouteille en forme de cactus. Oui. C'est une autre bouteille ou c'est un truc pour téléphone? Je pense que c'est une autre bouteille. Mais là, je suis plus sûre. Parce que normalement, une autre bouteille, j'ai l'impression dans le fond qu'il faudrait que ce soit quand même assez fixe. C'est un collant. Ah, ok. Ça doit être un quelque chose pour tenir son téléphone. Très cute. Très simple. Dernier item, on a ici une belle bouteille d'eau qu'on remplit et qui nous mentionne combien boire selon l'heure de la journée jusqu'à 5 heures où il faudrait la re-remplir. Une belle couleur dégradée de pêche, je dirais. Super intéressant. Hydratation vraiment importante pour la santé physique et mentale. Dernier sac, un peu plus carré celui-là. On a une petite... un petit humidificateur. Vraiment, je vais en avoir des petites choses dans mes ports USB. Comme ça, ici, on branche et il y a de la petite vapeur vaporisée. Potentiellement, je suis pas certaine, il y aurait aussi une lumière à l'intérieur pour en faire un objet plus décoratif. Deuxième fois, j'ai le petit vaporisateur portable. Les petits bas, s'il vous plaît, partez. La lotion au beurre de karité, ambiance d'automne. Peut-être que je n'étais pas censée, dans le fond, en acheter plus qu'un. On reçoit aussi de ambiance d'automne un savon fouetté pour le rasage. J'ai entendu dire que c'était vraiment agréable à utiliser. Dernier item. Oh, on a des sous-verres en silicone. Facile à laver, facile à utiliser. Couleur comme rose gold. Je suis pas sûre qu'est-ce qui est lié dans le fond avec se faire plaisir par contre. Ce seraient les trois sacs mystères de Dotbox. Personnellement, j'aime le concept. J'aime pas la réalisation. J'ai pas l'impression que c'est des items de super grosse qualité. J'aurais peut-être pris des snacks avec ça. Un ou deux items un peu plus sassy. Mais c'est peut-être juste moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Laissez-moi un commentaire sur la vidéo. Et un pouce en l'air. J'allais faire pouce en bas encore. Non. Pouce en l'air. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour mentionner à YouTube que mes vidéos sont bonnes et mériteraient d'être vues par plus de monde. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!